Ils ont beau dire qu'ils sont des passés dates de VRAC TV, pour moi, ils font quand même partie des premiers à faire de la web télé au Québec. Aujourd'hui, on reçoit Asbin Mongrain et Asbin Leduc dans leur Asbin Salon. Hey Antoine, où c'est que t'as mis mon sac de chips au barbecue? Cheers! Thanks. Orange Crush. Je pensais peut-être, you know, drink something made for a man. But... Mais comment ça que tu connais les has-beens? Je les connais pas. Je m'en fous. Aucune idée c'est qui. Ils t'ont ramassé sa rue puis... Puis ils m'ont emmené ici puis je le regrette là. Non, je connais Jean-Dominique de l'Auberge du Chien Noir. How about you fuck off? Et eux autres, ils trouvent que c'est drôle faire des clips du fait qu'ils sont des has-been, mais c'est vrai que c'est des has-been. C'est fini, là. On n'avait pas l'impression de se partir une web télé, c'était vraiment plus faire des sketchs pour faire rire d'autres personnes que Luc Boucher, là. La gang de Drac. C'est vraiment, on jette des idées, on est rarement d'avance. Comme tu as pu le... On peut pas, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas des professionnels. On n'a pas de budget pour payer le monde. Fait que quand on dit, hey, on tournerait peut-être mercredi le 21, ouais. ça se peut-tu? Ah ouais, ça serait cool, mais finalement, il y a quelque chose qui arrive. Pas de gardienne pour les enfants. Le jamais, j'ai jamais refusé. Fait que le 21, finalement, un tel peut pas. Fait que finalement, on appelle quelqu'un d'autre. Souvent, on trouve du contenu par rapport avec ce avec quoi on peut tourner. Soit un artiste invité, soit un accessoire, soit un lieu. Parce que, bon, on n'est pas subventionné, on n'est pas commandité, on est tributaire de la bonne volonté de tout le monde. Et d'ailleurs, là, ça va être le moment plug, mais on est commandité par la boîte de post-production, Lika, qui nous prête l'équipement. Oui. Ah ouais? Alors, on est commandité? Oui. Pourquoi faut que je donne de l'argent pour les micros à chaque fois? Des fois, ça a l'air d'un cégep en spectacle patenté, ce qu'on fait, là. Mais le plaisir vient de là aussi, comme disait Luc. Là, moi, je pense que de toute façon, même si c'était écrit, il n'y aurait rien qui serait respecté là-dedans, parce qu'on a souvent un petit paquet de colons qui veulent avoir du plaisir. Ah ouais, mais yes. Mais tu sais que j'ai croisé Benoît Gagnon. De toute façon, faire des niaiseries, c'est de l'ouvrage. Là. Souvent, les gens pensent que faire des niaiseries, c'est facile. Ah, oh, on est assez fatigué là. Ouais. Ah, t'es qui? T'es qui, toi? Christine Gagnon, man. Hein? Antoine Mongrain, je travaillais avec lui avant. Ah oh, non, correction, nobody. Shut the fuck up, dude, just shut the fuck up and leave. Je veux dire, Luc Boucher, c'est un gars qui est formidable, c'est un gars qui est très drôle et qui mérite vraiment... à être connu. T'es plein de merde, hein. T'inventes n'importe quoi pour la caméra. Ça regarde les. Ça vient de s'éteindre, là. Tu le veux, that's ça it. Bien, non, ça me fait plaisir. Puis par rapport à LA, là, quand on dit LA, là, on parle pas de Luce OG, là, c'est bien Los Angeles. Et c'est ça qui est formidable avec le web. C'est la démocratisation du contenu. À la limite, même si c'est laid, même si ça sonne pas bien, si ce que tu fais trouve un intérêt dans l'internaute, ben l'internaute, il va t'écouter puis il va te donner une chance. Et ça, c'est un beau terrain de jeu, le net, pour ça. Check out hasbin.ca. Funny guys. En gros, c'est un peu ça. Tu dis, man. Engage-moi, man. Je suis vraiment fané.